U. Je bloque laquelle Je pense que je bloque <laughs> celle-là. Bien joué euh, Archaeomancer. Ça a bloqué le temps. Ouais ça bloque le temps. Nice. Moins 33, GG hein. Ça va. Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR. Comment ça va fou Ça va très bien toi Ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le... Kona crew, euh, la bande à Kona la bestiole de sauvetage, on l'a joué en avant-première. Alors pas ce deck là, mais kona pour voir un peu ce qu'il faisait. Et ben ça mettait pas grand chose en jeu. Ça mettait pas grand chose en jeu parce qu'on avait un deck un peu euh, agro mid avec euh, le Destrier Séraphique, le Willy Duke, l'aéronavire et le kona Mais justement on, on, quand on engageait Konna, c'était en mode bah, on n'a pas grand chose à mettre dans la main, à mettre de notre main pardon en jeu parce que c'est son effet, c'est quand il est engagé en deuxième, au début pardon de la deuxième phase principale, on met un permanent de notre main sur le champ de bataille. Du coup, on a cette déclisse qui permet de mettre des ports en jeu. Des ports qui peuvent se curver pour moins cher. On a comme port Séraphin d'Acier, Suzerain de Brumeland, euh, Vertu de Persistance et Nissa. Nissa qui, au final, peut se jouer en tour 5, si besoin. Vertu qui est une interaction à 2. Suzerain qui est un tour 4, potentiel. Et Séraphin qui est un tour 3. Donc la vraie curve, c'est ça, en prenant en compte que ça, ça coûte 5. Et on a une curve de deck midrange classico. Euh, à côté de ça on a évidemment des façons de trigger Kona pour l'engager, donc Willy Duke, euh, Aéronavire, pardon et Destrier, Willy Duke qui marche aussi un petit peu comme Kona en s'engageant avec Aéronavire Et, et ou Bronco aussi surtout. Et on a Bronco caustique euh, pour sceller, euh, pour faire l'effet de Bronco qui est cool, ou juste l'effet de Kona qui est régalant. Des interactions avec Droit à la Gorge exterminé, Aéronavir et Vertu. Niveau du side, on a encore un peu plus d'interactions avec des exterminés, des sorties explosives. Confinement temporaire pour les decks très agressifs. Euh, 4 duresses. 2 exorcisés et 2 Beza, le printemps bondissant. Et ça fait plaisir. Euh, on part tout de suite tester ça en ladder BO3 cette fois-ci. Let's go. Oui, j'ai peur que j'ai cru que le jeux a planté. Et on remercie évidemment <coughs> les sponsors. Je n'ai plus de voix, je m'excuse. Euh, Plane by Magic Bazaar, code Valépiel 2024 sur la boutique. Ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires. Et ça nous soutient quand vous l'utilisez. Merci à tous. Et merci également à Ultimate Guard. lien dans la description. Quand vous cliquez sur ce lien, vous êtes sur le site. Vous nous soutenez directement en faisant vos petits achats. Et vous recevez les dingueries Ultimate Guard directement chez vous. Ça fait plaisir. Merci à tous. Ouais, big up aussi à la belle carte, notre société qui vous offre un booster d'Uskmoon. Pour ça, c'est très simple, il vous suffit juste d'être abonné à la chaîne, de laisser un pouce bleu et de partager dans l'espace commentaire. On tirera un commentaire au sort qui recevra un petit... Booster Duskmourne chez lui, et on en profite pour mettre en avant le live Voct de la belle carte dimanche à partir de 18h. Ce dimanche-là, PL sera en live pour faire un show à l'unité d'exception avec plein de très bonnes cartes du Staple, de Commander, de moderne de Legacy, en tout cas, vraiment plein de bonnes cartes de Magic. Pour tous les budgets, il y aura du prix de départ un euro sur des cartes d'exception comme des bilans de legacy, notamment une petite savane à un euro prix de départ. Donc n'hésitez pas à passer une tête. Et en plus de ça, il y aura des tapis Label carte, le stock tampon qui nous reste à Label carte, qui sera mis en vente prix de départ 1 euro aussi aux enchères. Et l'entièreté des bénéfices réalisés par la vente de ces tapis Label carte sera reversée à une association qui accompagne les enfants autistes sur l'ère toulonnaise qui s'appelle Vers l'infini et l'au-delà. Donc, on vous attend nombreux. Code la belle carte quand vous créez votre compte vote. Ça vous permet d'avoir 10 euros offerts. Excellent. Tu fais ça si bien, Val. Euh, ça me donne envie d'aller voir un chevaux d'exception dimanche animé par moi-même. Mais est-ce que tu peux aller te voir toi-même Techniquement, oui. Mais bon. Eh bien, tu peux le faire. C'est ça auto qui est. Fou. divertir, quoi. Euh, on va mouligan ça. C'est un peu lourd. Un peu oui. rien. Euh, putain, on n'a pas de noir, mais... Ouais, tu vas quand même la garder, je pense. T'as a... une curve qui est... On a une belle curve d'estrier, aéronavir, suzerain, potentiellement. Ouais. Et ouais. je vais enlever... T'enlèves euh... juste du noir, ouais. Enlève ça. Bronco, même plus qu'exterminé. Hein. Puisque bah... Bronco ne rentre pas dans ta curve, alors que l'interaction est cool si oui, tu trouves un mana noir. C'est vrai que ça rentre pas dans le coeur. Je disais, je gardais le truc le plus loin à jouer au cas où on trouvait un mana noir, mais... Ah ben voilà. Par contre, je peux pas fêcher noir, sinon je fais pas d'estrier séraphique. Non, non, mais je pense que tu fais juste... L'an de passe et. Cheat l'an, enfin, cheat free. forêt. Broussaille est frillée. Je paye, j'aimerais ah, bien. C'est -ce quoi c'est Grul spell qui... qui a pas réussi à plot là? Peut-être, ouais. J'étais intéressé, télé, suffit les écrans. Alors, petit disclaimer qu'on faisait euh, habituellement dans nos anciennes vidéos, on est en début de format, on teste que les nouveaux decks de Dusk Moon pour vous, on crafte les cartes, mais on vous incite à vous ne pas les crafter. Attendez les premiers tops de tournoi, attendez que la méta s'irrégularise plutôt que de dépenser votre joker dans des cartes qui fonctionnent pas, dans des decks qui fonctionnent pas. Nous, on est là pour tester, pour que vous, justement, vous n'ayez pas à, à vous planter, entre guillemets. Donc ce deck-là, on le teste, on vous le présente. C'est absolument pas un top craft. Attendez quelques semaines que le Hive Mind Fasse son office et que les meilleurs decks soient trouvés C'est important Alors là j'ai un choix d'aller chercher une plaine Ou un marais Une plaine me débloque ça Un marais ça te débloque euh, pas mal de cartes quand même A mais... voir, s'il passe son tour sans faire de créature Peut-être que je vais chercher un, une plaine Il a l'air de jouer de Jund, Basse plutôt contrôle Ok, okay. Ça, je, sais, ça, euh... je crois qu'il faut que tu le tues Ah Effectivement, tu tombes très bien le roteur parce que euh... on a fait une vidéo pour dire le contraire. Donc euh... parce que la vidéo un est un peu mal, malheureusement. Euh... Voilà. Bah, bah, la vidéo est déjà sortie au moment où vous voyez celle-là. Oui, la vidéo est déjà sortie. Est vrai. On n'a ouais. pas eu vos retours. Et, mais... et non, c'est pas craqué parce que le kill tour 2 est complètement, complètement infaisable de manière fonctionnelle, je sais pas. Où oh, est-ce qu'il maintenant Ouais, je pense. Hein. Je il pense parce euh... que ça. Euh, peur de le laisser traîner, quoi. Ouais. Euh... Je, je vois ce que tu veux dire, le roteur. La possibilité de qu'il tour 2 fait peur. Mais en fait, dans les faits, on a testé le deck et on a vu qu'en application, il suffit juste d'avoir une interaction et que l'oppo, lui, ait du mal à assembler ses quatre cartes pour que ça soit pas si problématique. Ça n'empêche euh... pas que la lignée est une bonne carte, hein, attention. Je... On joue contre. L'outre combo. Je pense que c'est l'outre combo, mais sans bleu avec une base June plutôt qu'une base Témur. Mais ouais. je vois pas pourquoi tu jouerais l'outre combo sans le bleu parce que passe-passe, ça a l'air d'être la meilleure pièce de combo que tu veux. Euh, J'avais vu une liste June et je trouvais ça euh, assez sexy. Mais je me rappelais plus pourquoi il y avait du noir. Bon, à part les interactions. Là, les interactions, mais... je pense. Hein, mais... ouais, ouais, pourquoi pas. Je, je suis ouvert aux deux, aux deux propales. J'ai pas testé donc. Euh... Donc ça me va, ça me va très bien. Dat... Euh, Est-ce que je vais jouer ça Non, j'ai besoin de garder des interactions pour tuer la loutre. Je crois que tu veux aéro. Ah non, aéronavir, ça prend que les créatures. Ah si, je peux serrer à fin. Je peux serrer à fin. Je vais garder un exterminate, sinon je peux en caster qu'un. Hein. Oui, oui, bien sûr. Moi, moi ce que je voulais, c'était qu'on prenne sa nitessence là-bas. Euh, on peut pas ça. Combat. Peut-être qu'il euh, y a assez de, de spells à 1 qui trient et qui, euh, qui permettent de, de voir d'autres cartes pour que, pour que ça fonctionne bien ici, l'outre-combo. Mm. Nous, on a une version TMUR dans la, dans la Besace qui est du coup moins interactive, mais plus, plus full combo, ouais. euh, plus proactive. Donc euh, on comparera les deux. Hein. Ah, tu vois, du coup, tu ne joues pas des passe-passe, tu vois des cartes, tu dois jouer des cartes de merde dans la version de June. Mais tu peux interagir. Oh ça te fait quand même ouais kill des bedfly ou... ou des enchantes, c'est pas dégueu non plus. Ouais. Oui mais je veux dire c'est un, un peu moins C'est des cantrip qui sont moins bien que passe-passe quoi. Il gagne 3 P, ok. C'est vrai que j'ai tué ça en mode euh, on sait jamais ce qu'il va faire mais je savais que ça allait ça allait lootrer. Ok que c'est un spell descend euh, l'aventure du moussu ouais ouais complètement que je ne vais évidemment pas ouais, pareil c'est des cantrips en fait dans ce deck là tu... dès que tu résous une loot tu veux des cantrips pour continuer à trouver des cantrips c'est juste que là bah dans cette version là tes cantrips ils coûtent deux le un quoi est-ce que c'est Willy ou est-ce que c'est l'aéronavire là c'est l'aéronavire non je crois que Willy il accomplit pas grand chose ouais c'est mieux je crois que c'est bien de lui enlever son cantrip potentiel et de pouvoir euh... J'enlève Je un mana, euh, notamment. Ouais. Ça a l'air pas mal ce deck l'outre, hein, cela dit. Mmh. On va se donner Lifelink, qui nous a montré qu'il avait le, le spell qui tue une Bedfly. Il ah, un bon, moment, il y a un qui, arrive. qui va arriver. Hein. Ouais. Il va tomber le Suzain. Oh la Suzan. Suzain de Brumeland. Collecte 8. Chercher. Évidemment. La Et est-ce qu'il a combo là Allez on va voir. Ah ouais, ouais avec ça c'est pas en fait, mal. C'est facile de collecter Je Sachant juste. que t'as un exterminé pour le cueillir. Ouais. Et ça ne fonctionne pas. Il y a 3 manas, est-ce qu'il a un spell de protection Il le fait main phase donc. Euh... Je tente. Il n'y a pas beaucoup de cartes en main, donc c'est dur de combo. Il va avoir une, un autre Orage d'orage quand même. Et je réduis la combo de 1. Ouais. Toujours 3 mana. Plus que 2 mana. Ah non, parce que c'est double. Eh oui, sauf que là, il a 3 mana maintenant. Ouais, c'est fini. Hein. Enfin, c'est fini. Ça dépend, hein. regardez, plus que 2 cartes. Genre, euh, pioche, pioche. Ça c'est pas fou. Et il en a plus du tout. Ok, euh, Pas. Pourquoi il est parti à ce tour-ci Ça a l'air un peu nul ce qu'il a fait. Oh, je peux pas gérer ça. Et il y en a une deuxième. Je crois que je vais wheeler. Bah écoute route, on ça. va. Euh... Ouais on va wheeler, tu regardes exterminer up. Ouais bah ouais. Et en plus t'as un suzerain qui arrive là, donc euh... Chillax quoi. Est-ce que j'ai... Non, je voulais un land. Qu'il va rentrer chez toi, la loisin. Je, je sais pas euh, pourquoi il a besoin de percer autant. Euh... Il aime bien refaire son appart régulièrement. Ouais, ouais, bah ça fait un bail. Hein. Ok, il n'y a plus qu'une carte en main. Je pareil, on va on accueillir. Va il, va... il lui faut un enchaînement de draw assez ouf. Hein. On est quand même à 25 p Et tu vois, bloc... euh, sur, sur le tour ah. d'avant. Pas mal ça, ouais, ça c'est fort sur le tour d'avance. Il avait eu des passe-passe en vrai, il pouvait partir en, en infini quoi, ouais, pas ah, infini. Euh... Non, de regarder la carte compris. du dessus, il avait deux cartes du dessus, mais bon, c'est un peu mieux. Mais euh, tu vois, pour analyse de pollen avec le spell qui lui fait chercher la loutre, c'est quand même fort. Ouais, mais tu joues quand même analyse de pollen dans tes murs, ouais, mais tu joues pas à ce spell là, si, si, ah, il y a aussi, ok, ouais, oh, ouais, je croyais qu'il n'y avait pas dans la liste. Lui, t'as juste pas les interactions quoi Est-ce qu'il est capable de quand même nous tuer ah, Il a trouvé deux druides d'enquête, il est quand même très fort Ouais ah, là ça devient très compliqué Il trouve Ok il a encore une draw un moussu et la carte de sa main Pourquoi oh, il n'engage pas euh, je peux pas faire tout résoudre là c'est chiant non. tu peux faire tout résoudre normalement regarde c'est marqué voilà. au dessus et eh ben ça devrait être bon pour lui là j'imagine qu'il a encore 5, un spell 5, à jouer 5 6 7 8 9 10 11 il en très très pas mal ouais. Ouh, ça fait bugger le jeu quoi. 32 ouais Ouais, ah, ça va bah, vite hein. GG GG well player, et là oh le jeu ah le jeu il comprend pas je le laisse attaquer quand même parce que ça euh, ouais, vas-y vas-y laisse-le se, se faire kiffer c'était sûr que fender d'orage ça ferait des trucs wow. et le pire c'est que une partie de... en fait ta bien. combo elle est giga résiliente parce que la première partie même si tu la tues elle revient en enchantement et la deuxième partie même si tu fais anti-bet bah, c'est pas grave t'as commencé déjà à faire une copie ouais Ouais, je, peux pas... je peux pas aller voir les autres bêtes. C'est vraiment très fort euh, comme, euh, comme deck. Uh. Je bloque laquelle Je pense que je bloque <laughs> celle-là. Bien joué euh, Archaeomencer. Ça a bloqué le temps. Ouais ça bloque le temps. Nice. Moins 33, GG hein. Ça va. Ça, va, ça bien. va bien. Deux exterminés de plus. Ouais. Et encore, j'ai l'impression qu'exterminé, t'as pas l'impression que ça marche pas très bien finalement? Bah en fait, il fait des multiplications. Donc si genre t'as deux exterminés et que tu cuts ces deux premières, euh, le résultat à la fin ah ouais, mais... est beaucoup plus bas, ouais. tu vois. En gros, à chaque fois que t'en cuts une, que... tu vas De en doublon, ça marche pas très bien, mais. Bah dans tous les cas, une. On a vu que ça il a pas eu le kill parce qu'on en a tué une. Tu penses qu'il avait le kill si on n'en tuait pas une bah, Il pouvait. qu'il a une un peu. Euh... Ouais. Ok, en tout cas, on va enlever les vertus noires parce qu'elles servent à rien. non, ça, ça ne sert à rien. Ça, c'est bien pour l'empêcher de faire du mana. Exactement. Ça aussi. Et euh, après. Euh... Du reste, c'est pas ouf, à mon avis. Non, du c'est pas très bien. Qu'est-ce qu'on veut enlever Aéronavir, c'est pas très bien. Non, c'est pas très bien effectivement. Mais cela dit, si tu de... attrapes les nids d'essence, elles, elles restent dessous. Ouais, les nids sans... d'essence créature, ouais. Je pense que je peux enlever deux aéronavires et peut-être euh, deux droits à la gorge. Un droit à la gorge. Hein deux droits à la gorge carrément bah, On a la nid d'essence, ce que exterminer ne fait pas. Euh, vrai, je crois qu'on a rentré tellement d'interactions que tu peux enlever un exterminé en vrai. Et on okay. y va comme ça. C'est plus dur de faire double interaction. Avec les spells qui coûtent plus cher. Ouais. il est très beau bah, de... j'espère gagner euh, justement sans avoir besoin de double interagir mais plutôt en attaquant la Nittessence, moi. il faut l'exiler ouais ou la gérer ou la gérer deux fois du coup c'est pas une très bonne main hein. c'est pas une très bonne main non je, je c'est pas une très bonne main non plus non mais je vais pas trop descendre à 5 je crois non vas-y garde, garde comme ça tu t'enlèves un séraphin en fait, j'ai l'impression que attaquer la loutre, ça fonctionne pas. Il faut attaquer la Nitessence. Et si tu attaques la Nitessence, du coup, sa loutre, elle, est, elle, est, elle fait plus combo. Quoi. Chercher une plaine bah, d'abord, au cas où je pioche Seraphim. Ouais, c'est comme ça en tout cas que j'attaquerai je... le deck. Euh... Euh, Pleine. enfin. Dommage. On tape. à la base qui nous aide pas beaucoup là ce soir. Euh, ce soir, ce matin. Ah, t'étais où toi Vas-y, c'est quand même. même destrier et tu carveras Willy Duke le tour d'après. Hein. Euh c'est C'est quoi son avatar d'ailleurs à monster Sur Abrasque. brasque Uuh c'est Ura, ah ouais, je l'avais même pas reconnu quoi. Il est déformé quoi. C'est Ura Brasque avec la gueule de bois. Il a fait la fête hier soir. Ura Boisque. Ni Nite okay. Mana blanc. Rock. Et du coup en fait, faut pas la tuer, je crois. Ben bah, non, non, faut exiler. Ouais. Du coup, on va piocher une petite carte avec Willy Duke. Nice. Pas d'attaque. pas d'attaque, ouais. Un mana blanc s'il vous plaît. il peut pas Il y a, partir il y a beaucoup de plaines, hein, le la mana base est quand même fonctionnelle, il y a beaucoup de beaucoup de mana blanc. Mmh. Enfin si s'il si, a beaucoup de piocheurs dans sa main, il peut partir en combo maintenant. Belle. Fort. Il attaque pas Attaque ah, c'est gratuit, c'est ah. vigilance, en plus. Ah il veut. Okay, bah non, il aurait pu pareil. mettre trop points. J'aurais pu mettre 3 points, mais euh, tant pis pour lui. Je pense qu'il sait qu'il va t'en mettre 70 à un moment, donc... Euh... Ouais, il est pas assez prêt. Lui, c'est un kiffeur, il veut tu tuer le combo. Alors qu'il devrait. Ah, le mec, c'est un kiffeur. Hop là, un mec qui kiffait juste, en fait. Oh, J'ai pas vu ces trois petites mimines, là, le logo de Manifesté Franchement, il a l'air il trop bien, son deck loutre, là. Ça me plaît beaucoup, moi, ça. Ouais. Il a le bon goût de pêcher les doublons. Pas nous. Ouais, après, malheureusement, on en a sorti des, des aéronavires. Je peux faire Séraphin, comme ça, j'ai ça up. Ou Suzerain, et je serre les fesses. Bon, là, je ferais plutôt Séraphin avec sa up et je slammerais Suzerain à 7. Ça me paraît plus. Control d'étape, ok. Ouais. En tout cas, ça te donne une draw cool alors que sinon as une draw nulle. J'aurais pu mettre deux points, mais ça m'a très vite passé la priorité. J'ai pas mis en full contrôle. Ok, on prend trois points ici. ouais. Après, il a un plan un peu midrange, Golgari, euh, un peu sympathique, quoi. Je le suisse, bah, c'est con. Non, il arrive en fait. Il arrive dès que t'as un land d'étape. Là, tu vas le tu vas le keblo pendant x autour. Bah, je le keblo, mais j'ai mes 2-1-1 mais 2 2 un fly. Non, sinon, je suis juste bon copain. Hein. est-ce qu'elles accomplissent quelque chose? T'es de un fly, genre elle aident à tuer, tu penses? Bah, est-ce que le suzerain pourra attaquer? Avec deux, suza... deux chevaliers, je pense que non. On attaque, il double-bloc, okay, on, on a plus de, de suzerains. De... Ok, ok. Donc je pense que. Que ça vaut le coup de, de l'imminencer. Votre imminence. Ouais, comme ça en plus. On peut piloter ça. Ouais, bah écoute, on va essayer de tuer dans les fly, hein. dans les airs. T'es trop américain, voilà. Ça fait deux vidéos où t'es américain. C'est vrai Ouais. J'aime bien. Hein. J'aime bien être américain. Tiens une phrase d'OSS, encore oh, une fois. J'aime bien les américains. Let's go. Je vais fermer tous les yeux. Hop là, j'éteins les lumières. J'éteins les bouchies. C'est tous les artefacts et tous les enchantements. Hmm. C'est vrai que ça fait ça l'autre partie. Alors attends. En réponse, tu tues Sanite Essence, comme ça il se pètera Sanite Essence. Bien joué. Oui, parce qu'on va souffrir, mais lui aussi, quoi. Si oui, oui. Pas. Tout le monde souffre. Il va manifester l'effroi. Il tue un 11 avec un beatdown aérien. Ouais, mais du coup, il a, il a plus de potentiel de combo, là. Donc ça, en vrai, ça va. Hein. On, est, mm. on, est, on est là. Oui, il va trouver une loutre. La loutre mystère. Ouais, mais s'il si, si a une loutre. Euh, quoi qu'il peut quand même faire un peu de magie, mais, mais ça devrait aller. Oh bah, tu ah vois, bah, nice, tu vois. Slammer ça. Si, mana. Like et si t'as de quoi combo, vas-y. Je t'en prie. Bah, je vois pas comment il peut combo sans la nitessence. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah, euh, land, nitessence. Ou alors land, nitessence. Ah oui, ouais, voilà, mais ça, il faut qu'il qu qu ait la nitessence. Mais comme il en a passé deux, c'est plus, plus complexe, quoi. Ah ouais. Ah oui, il est faux ça. Mais... Il ne peut pas combo juste avec la loot. C'était ça que, que je voulais dire. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il va que tu serres les fesses là maintenant. Ou que tu trouves en défaite. Okay, et voilà. Nice. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, bah, 6. Tu tues en deux 8, tours. 8. Donc là, tu sortis juste explosive. Et... Ah non, non, même pas. T'as l'étal. Eh oui. Alors, je pense qu'il faut que tu remettes les aéronavires, en fait. Parce que, parce que le plan, c'est pas gérer l'outre, c'est gérer Nite Essence. Ouais, ça gère que ça, quoi. Ouais, mais c'est pas grave, en fait. S'il a pas de Essence, il peut jamais combo. Ok. Donc, je pense qu'il faut pas se focus sur l'outre. Je peux, Donc, je peux garder deux exterminés, parce que ça reste fonctionnel, quoi. Et genre... Euh... Ouais, je sais, je sais pas après le plan destrier, Willy Duke et tout, il est, il est important pour que ton jeu fonctionne, mais Bronco en vrai c'est naze, hein, c'est, c'est au sol je trouve. Ça attaque pas dans. Tu peux que... J'en ouais. juste un quoi. Mais, dé, mais destrier non plus, hein, cela dit. Tu vois, c ah c'est si, euh, destrier c'est, initiative, ça passe c'est mmh. 3-2. Ok. Bronco, ah ouais. non. Moi j'irai comme ça. J'irai comme ça ouais. et, et j'essaierai d'attraper sens pour que son deck devienne juste un, une pile Golgari un peu juste moins crappy. forte. Quoi. Un peu plus crappier ouais, c'est ça. Je crois que le, le plan double interaction sur l'outre, il est trop compliqué en fait. Ah, c'était pas un plan, c'était plutôt euh, deux interactions qui peuvent nous permettre il, de ne pas mourir. Je trouve après. que si on peut mettre ça en place, c'est cool, bien sûr, bien, sûr, bien sûr. Et on peut toujours le faire après side. Hein. Mais, euh, mais par contre, avoir un plan défini sens ça, ça, ça me paraît faisable. Je crois que tu peux la garder et tu fais juste. Euh... Land Bronco et, et c'est cool. C'est pas une main très bien. Non mais c'est dans la range des, des, des mains acceptables, je pense. Ouais, c'est la range basse. Ouais. Bronco. Ouais c'est sûr que s'il joue pas de bête. Euh... Bah, il là il, il va faire bien. une bête que tu vas pouvoir exterminer, trigger bronco et tu vois ça peut bien se passer dans, dans ce sens-là quoi. Oh ça creuse. Il est bon hein. Ah il joue des souris aussi. C'est bien pour ça le Nord. Eh ben je crois euh... que ça vaut le coup de le sortir explosif celui-là même si euh, même si c'est pas le plan à la base. Ouais, le plan. En que... fait ça dépend si tu veux trigger Bongo ou pas. Ouais, j'ai besoin de piocher là sinon il ne se passe pas grand chose. Hein. Ah du coup vas-y sortie euh, sortie on trouvera un anti enchantement. Est-ce que je peux pas Attends, je pioche quand quand j'attaque je peux attaquer voir ce que je pioche puis sortie explosive. Tu peux ok, mais eh ben, tu as pioché combien de landes là Je crois qu'on a joué avec notre main de départ et on a pioché que des landes et un exterminé exact. Ouais. Donc t'as pioché trois landes. Si je trouvais droit à la gorge, je te faisais droit à la gorge plutôt sur vitalité. Ouais, ouais, c'était mieux. Euh, c'était ouais, ça. Et euh, on va faire ça pour euh... ah non on pourra avoir besoin d'un mana noir open. Je voulais trier le pack avec ça. Mais bon. Loutre. Loutre. Loutre-mer. Le du Ouais, tu vois, t'as bien fait de garder ta petite exterminée, là, ça. S'il fait deux spells, il est 3-3. Mais il bah est franchement, s'il fait deux spells, c'est deux spells de moins sur une loutre. Moi, ça me va. Hein. Ouais. Oh la Suze. Et eh bah ben, de Bronco et on voit déjà. Je peux sceller si je fais ça d'abord. Tu peux sceller si tu fais ça d'abord. Bah vas-y, scelle alors. Mais bon. Scelle pas... parce que tu peux lui mettre des nions dans la tête. En vrai, tu peux accélérer le kill. Oui, je peux lui mettre euh, potentiellement euh, 7. Ouais. Tu peux lui mettre un suzerain, tu peux lui mettre Nissa, tu peux lui mettre plein de trucs. On oh l'a scellé à fond le type. Let's go. Prieur. Voilà. voilà. Par Pour que je suis content de pas prendre mes 7 moi. Ouais t'es content toi de pas prendre 7 Même si en vrai contre lui c'est pas très grave on oh, ça creuse tout Et là long. faut pas qu'il tue ce tour Voilà ouais, tout simplement Il n'y a ni tes C'était quand même un peu chaud de tuer ce tour Vu qu'il avait rien trouvé C'est pas, pas évident pour lui de tuer ce tour-ci ouais. Ah bah. il a ma mis kick What RIP ou alors il oh, avait rien dans la main, archeomancer, on jouant une vraie game là. Ou alors il avait rien dans la main. Hein. Ouais, ouais, justifie trop pas. la game. En vrai, il a concédé très vite après son musculic, hein, donc euh... ouais, peut-être que peut-être qu'il l'a fait exprès en mode. Euh, de toute façon, de toute façon, j'ai poubelle. Ok. Si tu es notre. Bah, board... Nice. Son deck était trop bien et le nôtre était cool aussi. Hein. Ouais. Grave. Grave, grave, grave. Euh... Je sais pas. J'y repense à son deck à l'adversaire. Je sais pas si on a. Une meilleure version avec du bleu, que vous verrez bientôt, lundi. Euh, ouais. Ou si June de c'est cool. Je pense que les deux versions se valent. J'aime les deux. Moi, de mes préférences de jeu, je préférerais June parce que j'aime interagir. J'aime le plan mid-range avec ouais. une option de combo. Donc, je pense que je préfère son deck. Mm. Mais si jamais on veut vraiment forcer l'aspect combo, je pense que la version Temur est plus, euh, tu plus proactive. Mieux. Enfin, ouais. Ouais, elle, elle assemble mieux la combo. voilà ouais. Ok. Ok. Eh bien, stylé. En tout cas, euh, sympa, Kona, même si on n'a pas cheaté Kona. Le but, c'était d'engager ce petit pépère avec euh, des pâtés. Mais, euh, mais on a vu que le plan midrange marchait. Et surtout, on a vu que Destry et Willy Duke, c'était jouable. C'est jouable dans des ouais. decks, ça y est. Depuis, euh, depuis extension Cowboy Bebop, là, euh, on a joué pas ça. Et euh, après, et là, ça marche un peu. Après, attention, Metavic, ça, c'est quand même pas giga compétitif. C'est compétitif, c'est-à-dire c'est assez compétitif pour qu'on soit capable de jouer ça en ladder. Mmh. Je, je crois pas que. Je pense que tu vois typiquement le plan Golgari combo avec talent de l'aubergiste et Brasca, c'est ouais. exactement ce genre de deck là mais en meilleur. Je vois, ouais. je vois, je vois. Mais Donc, style, euh, tout mais j'aime bien. Que... Ça, ça reste jouable. Assez facilement, tes 4 euh... tes quatre énormes porcs, genre Suzerain, euh, même un Séraphin ouais. ou une Nissa euh, ça fait. Ouais, taffe, quoi. Et attention, on a affronté un deck qui était. C'est pas gentil ce qu'il fait le gars en face. Hein. Ouais, c'est clair, c'est clair pour cette cool. vidéo. Euh, N'hésitez pas à passer dimanche pour le show Voct. Du coup, si vous regardez cette vidéo avant dimanche 18h, évidemment. Si vous regardez après, bah, désolé, le show est fini. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseau dans la description avec notre chaîne Twitch Valpel Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.